Le Festival Mode et Design existe depuis plus de 10 ans et ce qui est extraordinaire pour un événement comme celui-ci, c'est que ça permet aux gens du public d'avoir un accès direct avec l'industrie de la mode. Donc, ça permet également à Montréal de se valoriser en tant que ville attrayante. On est très populaire pour nos festivals, mais d'avoir des défilés qui sont comme ça dehors pour le public, en plus c'est gratuit, c'est vraiment exceptionnel. Sunlight so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine. Le festival Mode et Design, c'est un festival qui s'adresse directement au public, qui est à l'extérieur pour attirer le plus de gens possible. Et tout de suite après, genre quelques semaines après, on a la semaine de mode. And I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. La semaine de la mode, là, ça attire les gens de l'industrie. C'est pour ça que le Festival Mode et Design est si important, parce que la semaine de la mode est réservée qu'aux professionnels, aux acheteurs, aux journalistes, et quelques billets sont vendus au public. I was inspired by the Amish community, and I wanted a really austere look, like severe kind of, but yet elegant. So that was the idea, and I wanted to also put some sportswear inspiration in my brand. Yeah, that's the idea. There is a diversity in my look, but I want it to be for every time of the day. Like for the example, this dress is more a night dress, like more elegant. Okay. But I would wear this with a jean, it's more casual, so it's more comfortable. So I try. The unity is in the volume, in the architecture, but it's also for different time of the day. So I want the look really like mysterious and sexy, and like that's the idea. I want to build a really strong brand, and like with a strong identity, like really define the look Matière Noire, and keep going on, like also do interesting thing and collaborate with new artists. So that's the goal. For this collection, I was collaborating with Tind. He's a video artist that works in Montreal. He gave his video. I was working with an electronic music label, like Soin Tes Oreilles, it's called. And Anastasia Domerego did the set, so there was lots of young people creating for us, so it was great. Like, and giving us their work also. Donc, à chaque fois qu'un designer ou un manufacturier va présenter son défilé, c'est un défi extraordinaire pour le maquilleur et les coiffeurs parce qu'ils doivent s'adapter au concept du designer. Donc, la coiffure va changer, le maquillage va changer et ça, ça a un très gros impact sur le résultat du défilé et les photos. The sun lay so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then crack the thunder. Standing
in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Lors des défilés de mode, la présence des VIP ou des grandes stars est extrêmement importante pour les designers. Parce qu'aujourd'hui, c'est les stars qui vont influencer ce que les gens vont porter. C'est les nouveaux rois de la mode. Donc, exemple, on a eu un designer la dernière semaine de la mode qui a reçu Will Smith, la grande star américaine. Donc ça venait d'un contact à l'intérieur de son équipe où le designer connaissait bien Will Smith et Will Smith était intéressé à la collection. Sur la semaine de la mode, on a toujours au moins trois rangées. La première rangée est réservée aux journalistes, aux grands VIP et aux grandes stars. La deuxième rangée est réservée à la clientèle cible. Et la troisième, etc., va dépendamment de la relation avec le designer. Well, the girls are getting ready. We're going to do, for our presentation, we're actually doing a one-of-a-kind presentation. It's the first time that Montreal Fashion Week is doing a theatrical performance. So the girls are going to be basically acting. The inspiration of the show is Amish punk. So you could see the hair and makeup is very subtle. Because Amish people don't actually wear a lot of makeup, and same thing with their hair, they usually just put their hair in a bun. So yeah, we're trying to keep it real, basically.